Mon autoradio. L'image et le son. Je suis contre le permis à points parce que je considère que ce système est un système vicieux et pervers qui en réalité a créé d'hommes et de femmes honnêtes des délinquants. Et une loi qui fabrique des délinquants, c'est une mauvaise loi. Oui, mais c'est une loi qui a sauvé beaucoup de vies, parce qu'il a été instauré en 92. Donc 20 ans, il y avait 9900 tués sur la route cette année-là, j'ai regardé. Il y en avait 4000 en 2011. Donc est-ce que c'est une loi, quelle que soit votre position sur cette loi, qui a sauvé des vies? Non mais monsieur, ça n'est pas parce qu'on retire un point que, en l'occurrence, ça ne veut pas parce que je retire le permis à point que je considère que tout doit pouvoir être fait en matière de conduite. Il reste évidemment des contraventions, il reste des délits, il y a des juges pour les juger. Lorsque vous dépassez de 3 km à heure, eh bien vous commettez certes une contravention, eh bien vous recevez une contravention. Mais s'il y a eu autant de vies épargnées, c'est parce que le permis à point... Je suis contre le système du point. Lorsqu'il y a des délits graves, eh bien il y a des magistrats qui annulent le permis de conduire, qui peuvent suspendre le permis de conduire pour éviter que des dangers publics soient sur la route. Mais ça, ils le font après que le délit ait été fait, alors que le permis à point, on peut l'imaginer, permet de prévenir. C'est le système du permis à point dont je suis tout à fait convaincu qu'il n'a pas rempli son rôle et qu'aujourd'hui il a créé des gens qui conduisent et ils sont très nombreux sans permis, ce qui est évidemment un effet pervers de cette loi du permis à points. Donc je suis radicalement contre. Je pense qu'il faut revenir au système antérieur. C'est dit. Vous y êtes donc contre.